sommes des enfants de Dieu. En tant que tels, nous devons beaucoup veiller sur notre cœur, notre bouche et sur nos paroles. Nous ne devons pas dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Devant Dieu et devant les hommes. Et pour cause, lisons l'évangile. De toute parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié et d'après tes paroles que tu seras condamné. Tous nous avons nos chutes. Celui qui ne faute pas en parole est un homme vraiment. Nous tous nous fautons en parole, nous péchons. Mais celui qui garde sa langue pure, celui qui ne pêche pas en parole, est un homme vraiment parfait. Il sera capable de se contrôler tout entier. Qui contrôle sa parole, contrôlera tout son être. Ici, je ne vais pas parler. Ça, je ne vais pas dire. Ah, tu es capable de contrôler tout ton être. Etc. Donc, la langue, au contraire, donc d'ici, hein, bêtes sauvages et oiseaux, reptiles et animaux, marins de tout genre sont domptés et ont été domptés par l'homme. L'homme a dompté le lion, l'homme a dompté le cheval, hein, mais il n'arrive pas à dompter sa langue. La langue, au contraire, personne ne peut la dompter. C'est un fléau sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture? Le doux et l'amer? Non. Un figuier, mes frères, peut-il donner des olives? L'image du fruit. L'arbre, à chaque arbre, ses fruits. Notre thème. À chaque arbre, ses fruits. On dit, un figuier, mes frères, peut-il donner des olives ou une vigne de figues? L'eau des mers ne peut non plus donner de l'eau douce. Donc, l'arbre, là, quand vous avez un bon cœur, vous avez aussi de bonnes paroles. Dans l'évangile de ces jours, le Seigneur nous dit à peu près ceci. Lisons. Tel cœur, telle parole. Tel cœur, telle parole. L'homme bon, du bon trésor de son corps, tire ce qui est bon. Et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est. Car c'est du trop plein du cœur que parle sa bouche. Luc 6, 45. Ainsi donc, les bonnes paroles du bon cœur sont vérité, bénédiction, compliment, encouragement, félicitation, remerciement. Voilà les bonnes paroles qui sortent d'un bon cœur. Les mauvaises paroles du mauvais cœur sont injures, critiques méchantes, malédictions, mensonges, calomnies, médisances, paroles blessantes, flatteries, insanité. Pour avoir un bon cœur, d'où sortent de bonnes paroles, nous devons constamment nous laisser guider par des écritures du genre. Lisons Proverbe 4, 23-24. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Ne veille pas sur ton pantalon. Ne veille pas sur ta jupe. Parce que souvent nous sommes très attentifs à protéger nos jupes et nos pantalons. Mais la Bible dit, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur, veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose. D'abord sur ton cœur, ne veille pas sur ton pantalon, ne veille pas sur ta chemise. D'abord ton cœur. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur. Écarte de ta bouche la fausseté. On parlait de veiller sur le cœur, mais on dit écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Proverbe 4, 23, 20. Il faut interroger ça. Si tu veilles sur ton cœur, les sources de la vie viennent de lui. Tu écarteras de ta bouche la fausseté. Tu écarteras de tes lèvres les détours. Proverbe 4, 23, 24. Un autre texte dans le Nouveau Testament. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole, capable d'édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui l'entendent.
tu sors une parole qui édifie et qui fait du bien à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Dis à ton voisin, j'ai besoin de ta bonne parole. J'ai besoin d'une parole qui m'édifie. J'ai besoin d'une parole qui me fait du bien. Dis, mieux vaut te taire plutôt que de dire des choses qui blessent, des choses qui tuent. Prononce la parole qui va sauver. Éphésiens 4, 29. Le cœur des sots est dans leur bouche, mais la bouche des sages, c'est leur cœur. Siracide 21, 26. Le cœur des sots est dans leur bouche, mais la bouche des sages, c'est leur cœur. Donc, les sages parlent avec leur cœur. Les sots montrent les sentiments de leur cœur à travers leur bouche. Ce qu'ils disent là nous révèle ce qu'ils sont. Ce qu'ils disent révèle ce que sont leurs cœurs. Toi vraiment, un jour je pourrais te tuer. Moi je peux tuer quelqu'un. Ça révèle le cœur. Donc un chrétien doit faire un effort. Même quand tu es fâché, il y a des paroles que tu ne peux pas prononcer. Même quand tu es dans la... Ne prononce pas certaines paroles. Parce qu'il y a des paroles que tu ne peux plus récupérer. Je vais te tuer un jour. Il ne faut pas dire ça. Je peux toucher au fétiche. Je peux prendre une arme et te tuer. Non. Oh, j'ai dit ça. C'était sous l'effet de la colère. La colère, tu dis ça. Tu ne peux pas dire je vais te gifler. Dis même je vais te gifler. Mais je vais te tuer. Ah bon? Oh, je disais ça parce que j'étais fâché. Non. Il y a des choses que tu ne peux pas dire, même si tu es fâché. Avec ce que tu me fais ici, je peux me conduire. Toi, une femme mariée, tu dis à ton mari, avec ce que tu me fais, je peux me conduire moi. Tu connais les hommes qui me suivent. Et la femme aussi dit la même chose. Et le mari dit la même chose. Avec ce que tu me fais ici, je peux aller chez d'autres femmes. Tu vas récupérer ça comment? Oh, je disais seulement pour dire. Tu as dit. Siracide 21, 26. Un autre texte. Siracide 22, 27. Qui donc mettra une sûreté à ma bouche, un bon cadenas à mes lèvres, de peur qu'elle ne me fasse tomber et que ma langue ne me perde? La langue peut te perdre. La langue peut te perdre. Que Dieu mette un cadenas à ta bouche. Que Dieu mette un cadenas labial, un cadenas à tes lèvres. Ce cadenas labial ou buccal doit nous poursuivre même dans notre relation avec Dieu. Le cadenas là, même quand tu es en prière, il ne faut pas dire n'importe quoi. Même en prière. Devant lui, nous ne devons pas dire n'importe quoi. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Luc 6, 45. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que Dieu dit? Donc vous pensez que le mot Seigneur, c'est un mot simple, mais c'est un mot lourd de conséquences. Le fait d'appeler Jésus Seigneur doit avoir des incidences dans sa vie. Dans ta vie, quand tu l'appelles Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui le chef, c'est lui le président, c'est lui le leader de ton cœur, de ta vie. Donc appeler Jésus Seigneur, Seigneur n'est pas une chose indifférente. C'est une chose qui doit avoir des incidences. Nous serons jugés pour avoir appelé Jésus Seigneur. Tu m'appelais Seigneur, tu faisais ma volonté. Seigneur, ça veut dire quoi? Chef. À un Seigneur, qu'est-ce qu'on demande? On demande l'autorisation. Tu me demandais l'autorisation? Tu venais me mettre devant des faits accomplis. Tu ne me demandais pas mon avis. Tu ne venais pas me consulter. Un Seigneur, on le consulte. On lui demande son avis. Seigneur, tel garçon m'a demandé la main. Tu lui dis quoi? Seigneur, j'ai des sentiments pour telle fille. Qu'est-ce que toi tu dis? Réponds-moi, papa, avant que je ne me décide. Mais nous venons chez Dieu avec nos choix. Voici ma femme. Approuve-la. Voici mon mari. Approuve-le. S'il est ton Seigneur, tu ne fais rien sans lui demander la permission. Tu
peux faire 3 jours, 4 jours, 21 jours comme Daniel, pour demander la révélation, pour demander l'autorisation, pour consulter Dieu. Qu'en penses-tu, Seigneur? Que penses-tu? Je viens de finir mes humanités. Je dois aller à l'université. Tu dis quoi, Seigneur? Avant que je ne prenne la décision, tu veux que j'aille faire quoi à l'université? Je te consulte, mon Dieu. Parle-moi à travers des signes. Parle-moi à travers des signes. Parle-moi à travers des signes. Réponds-moi. Réponds-moi. Et tu cherches. Tu es prêt. Tu te dis, s'il me dit, va faire l'économie, j'irai faire l'économie. S'il me dit, va faire la médecine, j'irai faire la médecine. Parce que là, j'irai en médecine sur la parole de Dieu, sur l'ordre du Seigneur. S'il est ton Seigneur, prouve-le. C'est l'histoire qu'on raconte d'une ville qui était en guerre. C'était une ville fortifiée, une ville qui avait des murs. Alors, mais cette ville-là, sa source d'eau était externe, venait de l'extérieur. Donc, il y avait de l'eau de l'extérieur qui était ramenée dans le village, dans la ville. Alors, les villes fortifiées avaient des portes. Alors, le roi de cette ville-là, avec son armée, a fermé toutes les portes. Ce roi voulait entrer. Le roi qui voulait assiéger dit, je vais entrer dans cette ville, je vais la prendre. Ouvrez les portes que je puisse entrer. Il dit, tu n'entres pas. Ils ont fermé les portes. Mais comme ils ont fermé les portes, ils se sont rendus compte que cette ville-là, pour l'eau, elle dépendait de l'extérieur. Ils sont allés bloquer. Par où passer l'eau? Et ces gens ont fait un jour, deux jours, trois jours, une semaine sans eau. Alors, comme ils mouraient de faim, le roi, le chef de cette ville-là, est monté sur le mur et a dit qu'il veut s'adresser à l'autre roi-là qui venait avec son armée. Et quand il ouvre la bouche, il dit, « Seigneur, Père, en quoi est-ce que j'ai menti? Tu m'appelles Seigneur, mais tu ne m'ouvres pas la porte. Tu es un menteur. Tu m'appelles Seigneur parce que tu souffres, tu as soif et que tu as besoin de l'eau. Je ne suis pas ton Seigneur. Tu veux de l'eau. » Et Dieu dit la même chose à beaucoup de gens qui l'appellent Seigneur, mais qui ferment les portes de leur cœur. Tu es Seigneur, mais je te ferme la porte de mon cœur. Tu n'entres pas dans mon cœur. J'ai seulement besoin de toi. Donne-moi de l'eau. Donne-moi à manger. Donne-moi à boire. Mais tu n'es pas mon Seigneur. Tu es juste mon fournisseur. Est-il ton Seigneur ou ton fournisseur? Ton marchepied. Ton garçon de course, ta fille de chambre, mais ce n'est pas ton Seigneur. C'est quand tu as besoin de l'eau, Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, et pour qui en réalité je ne suis qu'un fournisseur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Dire Seigneur, ça doit nous engager. Je l'appelle Seigneur, je dois le consulter. Je l'appelle Seigneur, je dois lui demander l'autorisation. Seigneur, je vais faire ceci. Tu dis quoi? Je vais payer ceci. Qu'est-ce que tu me dis? Au moins que Dieu voit que c'est ça qui t'anime. C'est ça ta volonté la plus profonde. Ne pas faire des choses comme si tu n'avais pas de Seigneur. J'ai un Seigneur. Je dois le consulter. J'ai un Seigneur. Je dois lui demander la vie. Et là, les hommes qui sont ici se plaignent, même les parents. Cet enfant a fait ça sans nous demander l'autorisation. Ma femme a fait ça sans me demander l'autorisation. Sans même m'informer. Mais de la même manière, mais nous ne pensons pas que Dieu peut se plaindre du fait que nous faisons beaucoup de choses sans lui demander la permission, sans lui demander l'autorisation. Beaucoup de chrétiens, avec leur Dieu, ils sont sous le régime des faits accomplis. Seigneur, viens constater les dégâts créés par nos péchés, par nos iniquités. Mais ils ne le consultent pas avant. Avant d'être marié, tu l'as consulté. Tu as cherché sa volonté. Tu as fait combien de jours de jeûne? Maintenant, le mariage se complique. Tu fais 21 jours de jeûne. Mais avant de te marier, tu en avais fait combien? Avant le mariage, aucun jour de jeûne. Mais maintenant, tu es dans le mariage. Oh, on te menace. Le mari menace de divorcer. Alors maintenant, tu commences à faire 21 jours de prière. Il fallait commencer par le commencement. En consultant le Seigneur. Amen. Croire en Jésus comme son sauveur, c'est facile. Tout le monde, quand il a des problèmes, Jésus devient son sauveur. Même les féticheurs, quand il a des problèmes, il dit, ah, Jésus, parce qu'il a des problèmes. Mais il faut croire en Jésus comme son Seigneur et son sauveur.
Quand tu crois comme, à Jésus comme ton Seigneur, voilà le niveau le plus élevé. Jésus comme mon Seigneur. Mais je crois en Jésus comme mon Sauveur. Là, même le diable peut croire. Parce qu'il a des problèmes. Seigneur, tu viens venir nous perdre. Jésus, je te connais. Tu es le Saint de Dieu. Envoie-nous dans les ports. Mais reconnaître Jésus comme son Seigneur, voilà le plus dur. Le plus dur, c'est là. Souvent, dire Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire il est Sauveur. Sauveur, Sauveur, j'ai des problèmes. Je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de mariage. Seigneur, Seigneur, Sauveur, Sauveur. Mais nous, nous l'appelons Seigneur, Seigneur. Quand tu l'appelles Seigneur, il doit y avoir des incidences. Quand on te dit, maman, c'est le Seigneur qui te les demande. Là, tu ne peux plus résister. Le Seigneur. Comme vous avez cité le Seigneur, non, je m'exécute. Le Seigneur. Au nom du Seigneur, arrête cette bagarre. Ah, ah, ah. Vous avez cité mon Seigneur. Mais toi, tu es chrétien. Au nom du Seigneur, arrête la bagarre. Que le Seigneur la quitte ici. Ce n'est pas ton Seigneur. Demande à ton voisin, Jésus-Christ est-il ton Seigneur? Jésus-Christ est-il ton Seigneur? Ses peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Matthieu 15, verset 8. Cette vérité doit toucher notre loyauté envers le Seigneur. Lisons ce beau texte de Siracide. Siracide 23, 8 à 13. Lisons-le. N'accoutume pas ta bouche à faire des serments. Ne prends pas l'habitude de prononcer le nom du Saint, car de même qu'un domestique toujours surveillé n'échappera pas au coup, ainsi celui qui jure et invoque le nom à tort et à travers ne sera exempt de faute. Un homme prodigue de serments et rempli d'impiété, et le fléau ne s'éloignera pas de sa maison. S'il pêche, sa faute sera sur lui. S'il a agi à la légère, il a péché doublement. S'il a fait un faux serment, il ne sera pas justifié, car sa maison sera pleine de calamités. Il y a une manière de parler qui ressemble à la mort, et qu'elle ne soit pas en usage dans l'héritage de Jacob, car les hommes pieux repoussent tout cela. Ils ne se vautrent pas dans le péché. N'habitue pas ta bouche à l'impureté grossière où se trouve la parole du péché. N'habitue pas. Oh, passez devant, faites une promesse à Dicad. Nous promettons d'aller dans des CVB. Papa, papa, tu parles devant qui? Devant ton Seigneur. Et tu dis des choses comme ça. Il ne faut pas être pressé. Des serments. Oh, venez ici, prêtez serment. Dites que nous serons du Sacré-Cœur de Jésus. Tu viens ici, tu... je serai du Sacré-Cœur de Jésus. Et puis après, tu ne tiens pas parole. Tu as parlé devant qui? Tu as parlé devant qui? Oh, j'ai fait ma promesse comme scout. Qu'as-tu fait de cette promesse? Devant tous, je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Tu as dit à Jésus, je vais t'aimer sans cesse. Tu as réussi à l'aimer sans cesse? De plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Devant tout. Il y a des gens qui sont engagés comme scouts. Ils ont déjà fui. Ils ont déjà fui. C'est un engagement de la vie. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse. Promesse comme légionnaire. Il y a des légionnaires ici qui sont engagés. Quand tu voulais t'engager comme légionnaire, si on avait refusé ça, tu allais pleurer. Oh, tu allais dire, oh, les gens ne m'aiment pas. Mais tu as fait la promesse comme légionnaire. Tu es où avec cette promesse? Légion de Marie, promesse, tu es là. Armée bleue, promesse, tu es là. Armée rouge, promesse, tu es là. Armée noire, dans toutes les armées, là, tu entres. Tu fais des promesses. Mais qu'est-ce que tu as fait de tes promesses? Ça, c'est devant Dieu que tu as parlé. C'est ça, dire, Seigneur, Seigneur. Tu as même oublié. Au dernier jour, on te rappellera toutes tes promesses. Tu avais fait la promesse comme. Qu'est-ce que tu as fait après?